Mettre les producteurs locaux au devant de la scène dans un contexte de mondialisation, c'est la devise du centre PANAF qui a vu le jour ce samedi 25 mai 2019 à Cotonou. Un centre qui s'est donné pour objectif de valoriser des produits 100% africains afin d'atteindre une autosuffisance du continent noir. Cette initiative d'envergure internationale vient du leader de l'ONG Urgence panafricaniste. L'idée de ce centre nous est venue de l'organisation d'une journée internationale de valorisation de la production africaine. Parce qu'on constatait que nos producteurs étaient extrêmement nombreux en Afrique, mais qu'ils étaient toujours mis de côté, au profit d'importations de multinationales occidentales qui venaient déposer leurs produits ici, ou de Chinois, etc. etc. Et les Africains étaient toujours mis de côté. Et partant du logiciel idéologique de Thomas Sankara qui disait que l'impérialisme se cache dans nos assiettes et que la première des résistances passe par la nécessité de consommer ce que nous produisons, nous nous sommes dit, et j'avais fait le serment il y a 2 ans de cela, que le moment venu, je réunirais les fonds nécessaires pour qu'une entreprise et un espace commercial 100% panafricaniste puissent voir le jour. Le centre PANAF, c'est l'assemblage d'un restaurant panafricaniste, un supermarché et une boutique de mode panafricaniste où tous les produits africains et afro-diasporiques sont acceptés. Mais les critères de sélection sont de normes internationales. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits par une équipe spécialisée avec laquelle nous travaillons pour vérifier la qualité des produits, parce que l'objectif ce n'est pas simplement de prendre quelque chose parce que c'est africain, mais prendre quelque chose qui est africain et qui a de la valeur. Et une fois qu'on va dans ce sens-là, eh bien, il y a un certain nombre de produits qui ont été triés sur le volet, d'autres à qui on a demandé du moins aux producteurs de retravailler leurs produits. Mais ceux qui sont ici, ce sont des produits qui ont été éprouvés, qui ont été vérifiés et qui sont de grande qualité. Et l'objectif, c'est de pouvoir les distribuer partout sur le continent africain, parce que le système néocolonial dans lequel on est fait que même présenter des produits dans des pays voisins, c'est quelque chose de difficile. Nous devons être capables de briser ces chaînes-là. L'inauguration de ce premier centre panafricaniste au Bénin n'est qu'une première étape de la chaîne commerciale continentale que compte mettre en place l'ONG Urgence panafricaniste. Selon le promoteur, d'autres centres panaf connaîtront leur ouverture les années à venir.